Alors la Bouche Rouge, c'est une maison de maquillage française qui a pour volonté d'allier le luxe et l'éco-responsabilité. On est une jeune entreprise qui a 3 ans et en fait on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui l'industrie de la cosmétique est la 3e industrie la plus polluante et surtout en termes de plastique. Donc concrètement, on a élaboré des formules, des packaging et toutes nos distributions sans utiliser de plastique. Vous avez un écran, donc qui est un écran comme ceci, qui est en métal et en cuir. Et ensuite, on va prendre une recharge comme ceci, qu'on va aller insérer à l'intérieur. Il y a un aimant, donc ça maintient bien le rouge à lèvres. La recharge est recyclable et donc l'écran, c'est un objet qu'on va garder à vie et ensuite qu'on va pouvoir donc jouer en achetant différentes recharges et les mettre dans son rouge à lèvres. Le cuir sur nos écrans vient des plus belles tanneries de cuir françaises. Le métal également, la formulation, elle est faite à Orléans. Dans nos laboratoires et nos formules sont à 96% d'origine naturelle. Nous, on a dû donc créer notre propre laboratoire pour pouvoir enlever tous ces produits nocifs et proposer des formules naturelles à nos consommateurs. Aujourd'hui, on a développé notamment un mascara qu'on appelle un sérum, qui est le premier mascara en verre, qui est un mascara également à 96% d'origine naturelle. On a également développé des poudres, qui est une poudre en fait hydratante également. BPI a été un soutien financier, puisqu'ils ont cru dans notre projet de changer un petit peu le monde de la cosmétique, de pouvoir véhiculer certaines valeurs comme produire mieux et consommer mieux. Voilà, cette idée, ils ont été un soutien assez conséquent.